Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On allait, je sais plus où. On allait, on va aller voir ça tout de suite, hein, tout simplement. Où est ce cher professeur? Où doit-on aller? Enfin, professeur. Readme. Par ici, Milodan. Emprunte cet accès dès que tu es prêt. Ça ne me dit pas où je vais. Je vais dans la croisée de Transidor, tout simplement. Bien, j'ai fait venir quelques assistants de plus pour t'aider à atteindre l'étage supérieur. Par ici, Milodan. Utilise ce fil de soie. Ok, parfait. Et du coup, on découvre un peu la croisée de Transidor, hein, qui était le tuto. Mais surtout, on va pouvoir voir qu'il y avait des choses un peu cachées, un peu plus haut, un peu partout. Hein. On va aller à l'étage supérieur notamment. Et que surtout, on a des choses à faire dans cette croisée de Transidor. On a 500 pollens à trouver. Et deux choses à faire, visiblement. La clé de Readme, on l'avait déjà fait. Il nous reste une chose secrète. Arrivera-t-on à faire cette chose secrète? On va voir. Déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une petite corde par là. On va faire un peu ce qu'on peut faire. Bon, ici. Ok, on peut rien faire. J'ai pas de quoi prendre de la hauteur, là non plus. Ici, je peux descendre. Parfait. Je peux remonter et on a une bulle de pollen cachée. Oups. Bien évidemment, si je meurs avant de la récupérer, ça ne marche pas. Voilà, on a 500 de pollen. Déjà pas mal, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire, mais là le souci c'est qu'on a que des tinis violets et il nous faudrait des tinis d'autres couleurs, notamment parce que si on regarde bien, on a des trucs à casser, des trucs à casser par là, des trucs à casser par là, et que du coup. Pour casser des trucs, il nous faut des tinis rouges. Les terres d'Ambrose se trouvent derrière cette immense porte. À l'instar de Sanctar, son accès nécessite une clé. Mais cette fois, j'en ai aucune à te donner. Mais je me suis laissé dire qu'il y en aurait une dans les parages. Rejoins-moi à l'étage. Ok, j'imagine que la deuxième chose qu'on va faire, la chose cachée dans nos objectifs... Ça va être trouver cette fameuse clé, tout simplement. Puisque là, c'était utiliser la clé de Readme pour déverrouiller la porte de Sanctar. Ce sera probablement utiliser la clé trouvée je ne sais où pour déverrouiller la clé, la porte d'Ambrose. Puisque c'est à Ambrose qu'on va. Non, on s'en souvient, puisqu'il nous l'a dit. Tout simplement. Ok, donc il y a une prise de courant. Ça sent les tinis bleus. Donc on a les quatre types de tinis. On a un machin. Un truc à péter déjà. Ok. M'en manque deux. Ça m'apprendra de vouloir péter les trucs. Sans avoir assez. Hop. Je vous ai vu.
J'en ai loupé un, mais les tinnies l'ont attrapé. Ils sont quand même pratiques, les tinnies, pour ça. Hop. La vue est pas mal. Ça nous donne une vue d'ensemble sur la pièce. Donc, j'ai pas assez de tinnies verts. Si, c'est bon. En rusant un peu, ça passe. Ok. Bon bah du coup il nous manque des tignes rouges parce que on a un petit peu merdé, on va dire. Tic tac, tic tac. Ils m'ont mis en charge de compter le temps qui passe. Tic tac, cette vieille pendule. Grâce à lui, on sait quand Arwin vient nous rendre visite. Tic tac, tic tac. Elle n'a pas cassé ta pendule là. Alors, des tinnies rouges. Ça tombe bien, j'ai vu plein de choses à casser. Je prends cette tinnie vert là, clairement pas. Faudra revenir avec des tinnies verts. Faudra trouver des tinnies verts. Ah, ici. Hop, des petites choses crachées. Nous on aime le pollen quand c'est craché. On est déjà presque à 100. J'aime pas ce presque 100 parce que ça tendrait à dire que j'en ai oublié peut-être quelque part. On va voir. J'espère que non. Alors, il y a plein de gens qui font la queue. Pourquoi font-ils la queue? Youhou, on va enfin à Salerion! Les tickets sont vraiment pas donnés! Ok. Le parc de Salerion accueille tout le monde à condition d'avoir un ticket! Oust! Ok, bah j'ai pas de ticket, j'ai pas de ticket. Hein. J'aurais pu... J'aurais pu repartir par l'endroit sympathique qui est ici. Et par contre, je suis pas sûre d'avoir. Oui, si, je peux grimper. Parfait. Encore un machin avec un chiffre à prendre. Il n'y a rien d'autre ici. Il n'y a rien d'autre là. Et je vois rien en hauteur. Bah ça valait le coup de monter, c'est parfait. Maintenant on va. Bah non, je voulais pas descendre autant. Je ne voulais pas descendre autant, je voulais prendre le petit fil de soie. Hop. Casser ça. Et casser ça. Et peut-être du coup aller casser ça là-bas. D'ailleurs, j'aurais pu prendre le petit fil de soie. Ok, j'ai réparé la l'horloge, la pendule. Et il y a un petit piou qui tic-tac et qui fait foufou. Ok. Donc ici j'ai une plateforme qui me permet de remonter. Et j'imagine que si je veux la bulle, il va falloir que je grimpe jusqu'en haut. Comme on a fait tout à l'heure. Déjà c'est bien, on se fait pas se tenir la tronche par la pendule. Donc on a vu le chemin tout à l'heure. C'est parfait. Hop. Et comment je vais là? Juste un petit... Ah! Juste un petit saut, mais peut-être pas aussi à l'arrache que ça. Je vais redresser un petit peu ma caméra.
Voilà. Parfait. Et il n'y a rien d'autre. Donc on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On va pouvoir se laisser plus ou moins tomber. Ou pas. Hop. Donc, il y a des choses aussi en bas. Hein. Je vois des choses. Ici, je peux pas grimper. Hop, voilà. Je passe par là, je triche. De toute façon, tant qu'on peut passer, on peut passer. Ok, donc il y a visiblement des petites choses dans ce placard. C'est parti. Bienvenue, je suis Patulachi, baffeur, tortionnaire, mais agent de la paix avant tout. Bonjour Patulachi. Moi, mon rêve, c'était d'être une artiste. J'adore imaginer des mondes, au niveau des personnages. Mais ça rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est la comptabilité. Compter les sous, déterminer le budget, se prendre la tête avec la banque. Héhé. Ok. Le suspect a été appréhendé avec succès. Brigade d'élite. Je suis innocent. Je suis laissé embarquer dans des histoires de ma copine Robin, mais je me suis dénoncé avant. Mais il sait qu'il m'isole. C'est vous qui devriez aller vous faire enfermer. C'est un scandale, un complot. J'essaie de sauver la maison, bande de crétins aveugles, laquais du gouvernement. Un loquet du gouvernement? Il y a des trucs à casser, on se pose pas la question. On regarde juste les petits recoins. Et on a un nouveau chiffre. Ok. Il n'y a pas moyen de... Ah si, il y a des choses en hauteur. Il y a des choses en hauteur. J'ai pas assez de tini pour grimper, sérieux. J'ai pas assez de tini pour grimper. Quelle est cette arnaque? Ah non, non, j'ai pas assez de tini pour grimper. Faut que je revienne. Faut que je revienne avec des tini verts. Alors, ça, ce sont pas des tini verts. Ce sont des tini rouges. Je prends. Hop. Oups. Voilà. Hop. Ça, ce sont pas des tini verts, ce sont des tini. Ah, j'étais à côté. J'étais à côté. Je vais crever là. Je vais crever. Comment je la récupère de manière intelligente, cette petite bulle? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc celle-ci est très bien cachée. Je savais qu'elle était là parce que j'ai déjà fini le jeu une fois. Et je vous avouerai qu'elle m'a donné du fil à retordre, cette vilaine petite grosse bubule de pollen. Donc voilà. Donc je suis toujours à la recherche de tini vert. Et j'en vois là, c'est parfait, on va pouvoir... On a quand même pas eu beaucoup. On va peut-être pouvoir y retourner. Je vais quand même faire le tour peut-être. Des tini rouges. Plein de tini rouges. J'ai assez pour grimper. Ok. Je vais quand même finir en bas. Des tini bleus. Et Ridmi. Une rumeur dit qu'une clé aurait été enfermée dans ce coffre, mais que son propriétaire a oublié le code. Tu devrais explorer les environs à la recherche d'indices. Ce code doit forcément se trouver quelque part, non? Et je bois une gorgée de thé. Effectivement, le code doit se trouver quelque part. Genre sur les petits papiers que j'ai trouvés. Il m'en manque un. On notera la fiabilité de la chose. Hein, donc, visiblement, la prise, je vais devoir l'emmener jusqu'ici. D'une manière ou d'une autre. Je remonte. On va aller chercher les petits tini verts qu'on voit là.
Putain, c'est pile de VHS quoi. Ah, j'en oublie un. Je l'avais pas pris. Ah, j'en ai oublié un parce que je suis pas assez grande. Oh, je l'ai pas eu. Sérieux, arnaque. Arnaque, elle est plus à droite ou plus à gauche? Ah! Donnez-moi ma pupule! Donnez-moi mon pollen! Bande de radins! Alors, des choses à casser. Parfait. J'imagine que l'idée c'est de voler. Ok, cachette secrète. On est à 300 de pollen, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, ça monte bien. Ça monte même plutôt très bien. Sauf quand on veut pas nous donner la petite bulle qui est là, hein, celle qui est juste ici. Juste. Voilà, celle qui était juste là. Avant de partir et de faire des bêtises, on veut finir ici, puisqu'on a dit qu'ici il y avait du pollen à attraper. Voilà. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait toute cette partie-là. Oh, les vieilles cassettes, les vieilles VHS. On a bien évidemment Sicaru. Sicaru. On a du petit pollen là, je t'ai vu. On va pouvoir casser. On aime bien casser les trucs. Alors, on a aussi plein de tiny bleus. Parfait. On va sans doute pouvoir faire des trucs avec cette prise. Il y a des petits tiny rouges ici. Je vais les prendre tout de suite pendant que je les vois. Hyperventilation, anxiété, dysphène, dysphné, dyspne. Ça se prononce comment? Dyspnée, asthénie, notre patiente fait de la spasmophilie. 10 mg de morphine, une nuit de repos pour la patiente. Par contre, je n'ai pas de traitement pour votre incompétence. On ne devrait pas parler à la patiente avant de diagnostiquer. Elle est médecin? Ous n'aime pas vraiment discuter avec les patients. On peut peut-être étudier d'autres hypothèses avant de décider de lui injecter son poids en morphine. Un lupus, ça colle? Ce n'est jamais un lupus. Parfait. Trop mignonne les petites maisons. Quand même vérifier. Il n'y a rien au-dessus. J'ai réussi à passer à côté. Ah, parfait. Du pollen, donnez-moi du pollen, encore, encore, et encore. J'aime le pollen, on est à 382. Ça monte, ça monte. Et ça fait plaisir. Alors, on va monter un petit peu, du coup. Nous aussi, hein, pas que le pollen qui monte. Ok, donc il n'y a rien autour du guéridon. Enfin, autour de son pied, parce que autour, il y a des tinis verts. Et autour du pot, il y a des tiny rouges et du pollen. Oh, il y a plein de choses. On les voit, ces petites choses à aller chercher. Hop. Hop. J'oublie rien sur le chemin. Hein. J'oublie rien sur le chemin. C'est l'objectif. Hop.
On redescendra. On va monter au maximum sur la plante. Et on redescendra par l'armoire. Je pense que ça paraît une bonne solution. Essayer d'y aller un peu vite fait. Ah! J'ai encore mal visé. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vise comme une patate. Pourtant, je jure, j'ai mis mes lunettes. Je pensais réellement être en face. Voilà, donc on a des petites statues. Moi, je vois que celle-là brille. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Arnaque. Il m'en manque un pour casser cette statue. Je débloque la sortie. Et on va casser cette statue. Allons-y. Ça y est. On est des gros méchants. On a cassé la statue. Parfait. Vive le pollen. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Je vois cette chose-là à pousser. Cette chose-là à casser. Ça c'est parfait. Ça va nous donner encore du pollen. Plein de tini bleus à récupérer. Ça à faire. Et ça à casser. J'ai laissé une bulle. J'ai laissé des. Ah non, les bulles sont sur le. Oui, mais je confirme. Je confirme. Soit mes lunettes sont sales, soit c'est mes yeux qui louchent parce que je vois pas les choses en face des trous. Je nettoie mes lunettes. Les lunettes sont nettoyées. On y va. On va prendre notre super skate savon. Et voilà, on a pris le skate savon et on va refaire le chemin dans l'autre sens. Tout simplement pour pouvoir aller chercher les choses qui nous intéressent. Sauf que. Est-ce qu'on a tout pris? Non, oui, c'est ça. On a encore des choses à faire en bas. Donc on va descendre par là. Avec la corde qu'on a débloquée. Voilà. Mode bourrine on. On est presque au 500, presque. Je me casse pas la gueule. Ce genre de truc où je suis une catastrophe. Et il m'en manque 76. Où est-ce que je suis pas allé? Bah, je suis pas allé en bas, tout simplement. Je suis pas allé en bas. J'ai rien fait en bas, alors que je vois des choses d'ici. Peut-être même pas besoin d'aller en bas, en fait. Pas tout de suite. Enfin, si, il y aura besoin, mais. On va déjà faire ces choses-là. C'est-à-dire que. Je peux aller jusque-là. Ça passe encore. Hop. J'ai vu des choses ici. Et j'ai vu des choses là. Et je vois encore des choses ici. Et on voit encore des choses. Là, on est à 499. On la voit l'arnaque, hein. Hop. Je suis pas trop bas. Parfait. Je l'avais vu d'en haut. Et surtout, on n'a rien fait ici. On n'a rien fait du tout. Donc, on va aller exploser les trucs qu'on avait dit qu'il fallait exploser. Et tester un peu les zones qu'on n'a pas testées. Est-ce qu'il y a des choses? Alors du coup, la limite est passée à 660. Même pas 666, hein, 660.
Je vois rien ici. Je vois. Hop. Une feuille pour descendre. Ici, c'est un cul-de-sac. Ah! Je suis tombée. Je voulais pas aller aussi bas. Ici, il n'y a rien également. Ok, c'était juste ça, le... Il n'y aurait rien d'autre. Les bulles restantes seraient en haut. Oui, ok. Ben, allons-y. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, j'ai pas la latitude qu'il faut pour aller là. Il me semble être allé partout. Hop, je vais casser ici pour pouvoir débloquer ça. Ça va peut-être aussi un peu nous aider. On va grimper à la main, c'est pas très grave. On peut se permettre de grimper à la main. Et on va essayer de chercher où est le pollen qui nous manque. Déjà, je vois que j'ai laissé des tiny bleus là, comme ça, tout seul. Hein? Pauvre petit tiny bleu. Et il y a cette chose-là qu'on peut bouger. Déjà, j'ai loupé pas mal de choses. Je vois rien d'évident. Alors, on en a droit 10. Il faut qu'on aille par là. Parfait. J'ai été jusqu'à la multi. Rallonge. Rallonge un peu cassée. C'est cool. Ça me débloque pas mon pollen qui me manque. Hein. Il nous en manque une bonne centaine. Donc on a quand même dû faire louper pas mal de choses. Ici, par où je peux faire passer l'électricité? Quelque chose me dit que j'ai dû pas faire quelque chose. Oui, pas faire quelque chose comme ça. Voilà, donc on a libéré un mécanisme. On y va. Hop. Alors, faut que j'aille. 21. C'est un petit paquet, 21 quand même. La machine est par là. Sachant qu'il faut que je passe intelligemment. Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer comme ça. Est-ce que... Oh, bah non. Il y a ça à bouger. Voilà. Ça m'évitera de faire des bêtises. Hop. Encore 11. On a vu que la machine était par là. Par là. Ici. J'en ai mis un trop. C'est pas grave. Parfait, donc j'ai un chiffre que je vais aller ajouter au tableau, hein, qui est visiblement un diplôme de Arduin, tout simplement.
On est parti. Donc, le chiffre nous dit 1986. Donc, 1000. Oui, je défocus. 980. Six. On a ouvert le placard, le coffre-fort. Milodan, tu vas pas commencer à utiliser tes talents de cambrioleur sur moi, hein? Retournons vite au rez-de-chaussée. La porte d'Ambrose va enfin pouvoir être ouverte. Donc on a la clé d'Ambrose. On pourrait s'arrêter là parce que l'épisode est déjà un peu long, mais il nous reste pas énormément de choses à faire, puisqu'en fait, l'endroit où on n'est pas allé, c'est tout en haut du placard de ce côté, du côté du coffre-fort, hein, bien évidemment, pas de ce côté-ci. Et donc, si tout va bien, ça devrait être assez rapide de récupérer ce qui nous manquait. Déjà, on va regarder les petits recoins. On a déjà fait le petit recoin. On grimpe. On grimpe. C'est parfait. Le petit fantôme. Bouh! Hop. Parfait. Parfait. Parfait, il nous reste tout ça. Ça fait quand même peut-être un peu beaucoup tout ça. Ça devrait quand même être assez rapide, je pense. Les petits recoins en premier. Il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche. Hop, hop, on grimpe, on récupère tout ça. Alors, ici, on voit qu'on en a sur la plante. Hop. On va y aller doucement. Ah, il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Je devrais pouvoir descendre de la plante. Enfin, descendre au plus bas de la plante, on va dire. Récupérer toutes les bulles. Et ensuite remonter avec les tiny verts. Ça devrait être faisable. Donc, c'est ce que je vais faire. Ah, il nous en manque Pékinette. Pékinette. C'est-à-dire que je prends ici, je prends un peu d'élan, un peu de hauteur. Et je pense qu'on va être pas mal. On descend. Et on est bon! J'ai complètement oublié de parler à Sicaru pour avoir notre bulle de planeur supplémentaire. Quelle hérésie! On va faire ça. On va déverrouiller la porte, du coup. Et on ira voir ce qu'il y a de l'autre côté lors du prochain épisode. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet endroit. Il y a des lieux qui nous marquent et d'autres que l'on traverse sans y penser. Est-ce que le pollen d'ici ne donnera au nectar qu'un goût aussi oubliable? Je vois que tu n'as pas oublié notre marché. Tiens, voici une récompense. Mémorable. Il faut que je me souvienne d'écrire un petit label sur cette bouteille de nectar pour le proposer à la brasserie. Parfait. Et du coup, on va utiliser nos super jumelles. Il est par là. Je vais pouvoir prendre le fil de soie, je pense, sans aucun souci. Oui, c'est ça, juste là.
insérer la clé dans la serrure. Tu me gênes, fourchette. C'est quoi ces gens qui laissent des fourchettes en plein milieu de leur couloir? Nous, les belles étendues d'Ambrose! Après toi, Milodan, c'est juste derrière cette porte! Et du coup, on va se quitter là! On ira voir Ambrose lors du prochain épisode! Merci d'avoir regardé! Bye bye!